Bonjour à tous, je m'appelle Julien Dortoli, je suis né à Marseille. Bonjour, je m'appelle Priscilla Lézé, je suis né à Avignon. Licencié au YCPR à la Pointe Rouge depuis toujours. Je fais partie du pôle voile Marseille donc depuis 2003. J'ai commencé le judo à l'âge de 2 ans et demi. Alors en club à 7 ans, c'est mon père qui faisait beaucoup de voile. Je voyais mes frères et sœurs faire du judo et je voulais monter sur le tapis. Mon professeur, il voulait pas trop parce que j'étais trop petite. Au jour où il a dit « essaye de vivre du judo », j'ai pas voulu être avec les bébés. Pour moi, j'étais une grande. Et du coup, il m'a dit fais-en avec ton frère et ta sœur. Une fois que tu verras que tu te feras éclater, tu partiras, tu sortiras, tu iras avec les petits ou alors tu arrêteras. Et finalement, non, ça m'a plu. Je me suis jamais arrêtée. Donc, comme tous les jeunes, j'ai voulu arrêter la voile parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Et du coup, on m'a forcé. Et du coup, j'ai continué. Maintenant, je suis là. Mon meilleur jour de voile que j'ai jamais passé, c'est passé aux Jeux Olympiques de Rio, donc en 2016, 15 août, donc le troisième jour de compétition. On remonte de la 14e place à la 4e place grâce à cette journée. Les jeux basculent ce jour-là et puis nous, on a fait une journée incroyable. Mon plus beau souvenir de sportif, c'est les championnats d'Europe. Donc c'est enfin mon premier titre. J'attendais ça depuis des années. C'est l'effort qui paye, le travail qui paye. Donc, je suis fière. Alors là, on est au pôle voile de Marseille, des locaux tout neufs hein, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 où la voile se déroule à Marseille. Ils ont refait toute la marina olympique et ils ont commencé par le pôle. Donc on est dans des bâtiments qui ont été livrés pour nous les athlètes en mars. Pour dire que c'est assez incroyable la taille, les équipements. Donc pour nous les athlètes en voile, c'est vrai que c'est un vrai confort et idéal pour la perf, hein, pour aller atteindre ces Jeux. Vous êtes actuellement à US Entraigues, au club de US Entraigues, là où je m'entraîne depuis mes 2 ans et demi. J'ai jamais changé de professeur de judo et j'ai jamais changé de lieu de judo. Ben là, il se passe un truc assez incroyable, c'est que les Jeux Olympiques sont dans notre pays, donc sont à Paris, et les épreuves de voile se déroulent à Marseille. Je suis marseillais, donc c'est vrai que pour moi, c'est absolument incroyable, c'est fantastique, et si j'arrive à me sélectionner, ça serait vraiment un aboutissement incroyable. 2024, ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, c'est à la maison. C'est une fierté de représenter la France en France, où toute la famille pourra être présente, où tous les amis pourront être présents aussi, tout le club. J'ai été très honoré qu'on m'appelle, qu'on me contacte pour être l'ambassadeur de cette opération. Et oui, après, comme tous les sportifs, on est convaincu des vertus du sport. Évidemment pour le côté physique, pour le côté bien-être, mais aussi pour le mental, pour l'esprit. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de faire des activités avec d'autres personnes, de créer du lien social. Moi qui ai commencé la voile quand j'étais petit, quand j'étais jeune, c'est vrai que mes amis que j'ai fait à la voile, ce sont toujours mes amis maintenant. J'ai accepté d'être l'ambassadrice de Sentez-vous Sport, car j'ai subi un harcèlement scolaire qui m'a déclenché une maladie. À l'âge de 8 ans. Et suite à cette maladie, j'ai arrêté pendant quelques années, pendant 3 ans, le sport. Et je voyais que j'étais beaucoup délaissée, je ne me sentais pas moi-même. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on ne peut pas pratiquer. Et du coup, j'ai vite repris et je me suis vite remise dedans. J'ai une passion, je pense comme tout Marseillais, pour l'Olympique de Marseille. Et je les supporte avec ferveur autant que je peux, on va dire. Le sport qu'on fait pour rester en forme, on fait du vélo, on fait de la natation. Je fais aussi un peu de wing, donc là la planche à foil. Et je pense ma vraie passion, ça reste le foot. L'équitation, le foot, on dirait pas, mais le foot. Le foot, c'est quand j'ai perdu la vue, c'est devenu très compliqué de suivre le ballon. Donc j'ai dû arrêter aussi, mais je retrouve mes collègues au stade de temps en temps. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à tous les sports, surtout les sports collectifs comme le handball, le basket.